Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc moi ça va très bien aujourd'hui, je suis très heureuse et bien de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Malgré que, eh bien, ça y est, on est reconfiné. Clairement ce mot confiné, je ne peux plus me l'entendre. Et clairement, eh bien, il va falloir s'occuper. Donc moi je me dis, eh bien, pourquoi pas faire un maximum de vidéos vu que j'ai beaucoup plus de temps que d'habitude. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse, eh bien, plus de vidéos que d'habitude. Donc aujourd'hui, eh bien, je vais vous montrer eh bien, ce que j'ai acheté chez Zara, chez Primark, chez Tradivarius. Et je me suis acheté eh bien, ce sweat qui se présente comme ceci. Donc j'ai pris pas mal de beige et pas mal de noir comme d'habitude. Donc c'est un sweat assez, voilà, assez simple, assez loose, mais clairement on adore, voilà, avec un joli manteau, avec une petite veste en cuir ou avec les fameuses vestes un petit peu bûcherons à carreaux qu'on porte énormément en ce moment. D'ailleurs je vais vous en présenter une juste après, donc vous allez voir, avec ça c'est vraiment pas mal. Donc moi je l'ai pris en taille S et j'aime bien le fait que en fait le haut soit assez loose comme ça. Vous savez, les jours où on a clairement pas envie de s'habiller, on ne sait pas quoi mettre, on se dit oh tiens, je vais mettre ça avec un petit leggings, hop là c'est bon, on est prêt. Donc celui-ci je l'ai payé 9,95€. Il est tout rembourré, un petit peu moumouté à l'intérieur et clairement on adore, ça tient super chaud. Donc j'ai pris celui-ci et ensuite je me suis pris un petit t-shirt pour soit mettre en dessous d'un pull. Je l'ai payé 5,95€ et je l'ai pris en taille S, qu'on peut mettre en dessous d'une chemise, en dessous d'un pull, en dessous d'une veste. Ça passe avec tout. Et ensuite, eh bien, pour continuer cette vidéo, je me suis acheté une veste. J'ai eu un énorme coup de cœur. J'étais obligée de me la prendre, clairement. Donc, dans une ancienne vidéo, je vous avais présenté, vous savez, les vestes très tendance cet hiver à carreaux, un petit peu effet bûcheron. Et j'avais acheté une grise, noire et blanche. Et je m'étais dit, il faut que je m'achète une veste dans ce style-là, mais un petit peu plus clair, un petit peu plus beige. Et pour le coup, eh bien, j'ai trouvé ça chez Stradivarius. Et je me suis procuré eh bien, cette veste, voilà, effet bûcheron à carreaux chez Stradivarius, mais en beige. Et regardez-moi cette veste, elle est franchement, elle est canon, on est d'accord. Moi j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette veste là, elle est hyper chaude. Franchement je suis amoureuse de cette petite veste, j'ai trop hâte de la mettre. Mais on est confiné, alors j'ai acheté plein de vêtements trop beaux et on est confiné. Je suis dégoûtée. Mais c'est pas grave, je la mettrai quand même de temps en temps ou voilà, j'attendrai de sortir du confinement. Donc les prix généralement de ces vestes, c'est tout le temps aux alentours de 35, 40 euros, 50 euros. Donc celle-ci, je l'ai payée 39,99€ et je l'ai pris en taille XL. Puisque sinon, clairement, on a l'impression que j'ai pleuré pour l'avoir puisqu'elle est énorme. Alors celle-ci, elle est déjà hyper loose pour le coup, mais ça va. Moi généralement je les prends en taille XS puisque c'est des vestes qui sont déjà assez, voilà, assez énormes. Même celle-ci pour le coup c'est une veste en jean. J'ai dû prendre du XS ou du S et elle est hyper loose. Ensuite chez Stradivarius, eh bien, je me suis pris des petites boucles d'oreilles. Donc j'ai pris ce petit lot qui se présente comme ceci. Donc je voulais des petites boucles d'oreilles, vous savez, un petit peu en toque. Et j'aimais bien celle-ci, il y a des petits cœurs, des petites lunes. Des petites boucles d'oreilles très simples, je l'ai payé 7,99€ puisque maintenant j'ai deux trous au niveau des oreilles. Donc ça me permet de changer un petit peu de temps en temps. Ensuite je me suis pris un pantalon simili cuir, donc vous savez que c'est la grosse tendance en ce moment de ces pantalons là. Donc je m'en suis pris deux mais complètement différents pour le coup. Donc ils se présentent comme ceci. Donc, franchement j'adore ce style là en ce moment. Vous prenez un pantalon simili cuir, vous achetez une grosse veste comme ça, effet bûcheron à carreaux et ça y est, vous êtes dans la tendance. Du moment où je me suis procuré celui-ci en taille 34, donc je l'ai payé 20€, donc je l'ai déjà mis pour le coup, donc je n'ai pas gardé l'étiquette. Clairement hyper agréable, on peut le mettre avec tout, voilà, quand on n'a pas envie de s'habiller le matin, quand on ne sait pas quoi mettre. C'est la pièce qu'il faut dans son, voilà, dans son dressing cet hiver. Donc un autre pantalon simili cuir, mais pour le coup celui-ci est beaucoup plus moulant, beaucoup plus effet leggings. Donc pour le coup celui-ci je ne l'ai pas encore mis, donc je vous tiendrai au courant si il taille bien. Donc je me suis pris celui-ci. Donc pour celles que ça intéresse, je me suis pris ce leggings chez H&M et je l'ai payé 19,99€. Donc pour le coup c'est vraiment de la très bonne qualité. Et j'ai regardé au niveau de la couture, elle est très bien faite. Et pour le coup, donc je suis très contente d'avoir trouvé un pantalon effet simili cuir comme ça. Ça va faire trop beau.
Donc je vous mettrai une petite photo sur Instagram, forcément. Et ensuite, pour continuer cette vidéo, eh bien, je me suis pris un pantalon effet daim. Donc ça fait des années que je ne me suis pas acheté un pantalon effet daim. Et ça revient énormément à la mode cet hiver. Donc je me suis pris un leggings effet daim comme ceci. Et je l'ai trouvé chez Primark pour le coup. Donc il y en a plein, il y en a chez Gémeaux, il y en a chez Stradivarius, il y en a chez Zara. Il y en a partout. Sauf que le prix varie selon les magasins. Et pour le coup, vous avez une petite ouverture au niveau de... Voilà, au niveau de la cheville. Il est super souple, hyper doux. Vous avez une petite ouverture là sur le côté. C'est chaud et c'est super confortable. C'est super doux. Donc je l'ai pris en taille 34 chez Primark. Je l'ai payé 9 €. Il me semble entre 8 et 9 €. Donc clairement pas cher du tout. Et ensuite, eh bien, j'ai des petites bricoles à vous montrer. Chez Primark, je me suis pris des petits chouchous puisque j'en avais plus trop. Donc je l'ai payé 2 €. Et c'est des petits chouchous très tendance en ce moment. Ces petits chouchous là. Et comme ça, ça pourrait aller avec ma veste aussi bûcheron. Donc clairement pas cher, 2 €. Et ensuite, eh bien, je me suis procuré des petites pantoufles. Puisque ça y est, on est confiné. Donc clairement, on va rester pas mal de temps chez soi le week-end. Je les ai eu chez Auchan à 4,99 €. Très moumouté à l'intérieur pour avoir bien bien chaud. Et ce que j'aime bien, c'est que vous avez un petit antidérapant juste en dessous. Comme ça, ça permet de ne pas glisser sur le carrelage ou sur le, voilà, sur le parquet. Donc je me suis pris... ces petites pantoufles là, je me suis pris des petites chaussettes chez Decathlon, donc en taille 35-38 puisque je n'ai plus du tout de chaussettes. Et je me suis racheté eh bien, des collants puisque ça y est, c'est un petit peu l'hiver, il fait froid. Donc je me suis acheté des collants chers, donc c'est Well et Elastic Well résistant. J'ai pris une taille 2 et pareil pour celle-ci, c'est Dim jambes fuselées opaques et c'est toujours une taille 2. Et pour terminer cette vidéo, eh bien, que serait une vidéo confinement sans bougies, ça n'existe pas. Et je suis allée chez Jiffy donc la semaine dernière, donc juste avant le confinement, et je me suis pris une énorme bougie de chez Jiffy. Donc c'est une bougie framboise tatin, trop trop belle, blanche avec le petit côté blanc. Donc je l'ai déjà allumée pour le coup hier soir. Elle sent pas très très fort je trouve, mais ça crée une petite ambiance et c'est surtout ça que je demande, c'est une petite ambiance le soir. Et j'avais oublié de vous montrer aussi ce petit panier un petit peu effet fourre-tout. Je l'ai acheté chez Leclerc, donc juste avant le confinement, et c'est toujours dans l'esprit un petit peu bohème. Et j'adore personnellement. Donc voilà, ma vidéo est terminée. Donc j'espère vraiment que celle-ci, elle vous a plu. Donc en attendant une prochaine vidéo spéciale confinement pour le coup, eh bien vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait. Il y a un petit carré qui est ici avec ma petite tête qui est ici ou ici, je sais plus. Donc voilà, je vous fais de très très gros bisous et prenez soin de vous. Bye!